Rebonsoir YouTube, comme d'hab sur Twitch, je sais je dis ça souvent. Et nous on reprend la suite du DLC numéro 2. Je rappelle, on rush puisque l'histoire m'a assez déçu. Et je m'attends plus à rien. Alors la grande scène. Ok, je pensais que c'était là-bas, mais c'est là-bas. Grace is terrified. I can't be hearing the beat like she is. I need to get to the Eco Village. Eco Village. I'm on the right track. Quoi ce bordel là? Encore faire compliqué quand tu peux faire simple. Et j'avais même pas vu qu'il y avait un établi. Bon, de ce que je peux voir, ça devrait pouvoir s'ouvrir de l'autre côté puisqu'il y a une caisse, mais... Vous savez quoi, la caisse, je l'emmerde. Je reconnais une chose par contre, c'est qu'en termes de décor, c'est plutôt sympa et ça change. Et c'est quand même dommage de devoir attendre le deuxième DLC pour avoir quelque chose de différent et cohérent. Parce que c'est vrai que le premier était assez chelou. Pourtant là, ça va. Moi, je me demande si les portes infusibles, je devrais pas les garder pour le niveau maximal qui est je sais pas combien. Comme ça, en fait, on chope des armes rares, enfin, au niveau 30 cash. Ce qui serait peut-être plus cohérent. Tu veux pas la fermer, la personne qui crie, s'il te plaît? Je l'entends déjà assez de cris toute la journée là pour que. C'est bon, hein. Je sais plus quoi dire. Ah merde, mais c'est... J'avais même pas remarqué que c'était cette saloperie.
the fuck happened here? Hey zombies, come meet your biggest fan. Je peux aller dedans moi? Non. Ah si, je peux aller dedans. Pour la science, il fallait essayer. The door's fucked. Too much power from that down turbine. I gotta shut it off. Dommage. Alors je comprends l'idée de la phase, mais je la trouve un peu longue. D'ailleurs attends, je viens de me souvenir, j'ai une grenade qui attire les zombies. Et ça mourrait tous comme par magie. Ah, je vous jure, c'était vraiment absurde ça, mais bon. Je comprends pourquoi, mais c'est marrant.
Et tu vas me dire qu'elle l'entend pas. Ok, le point faible, j'imagine que c'est le cœur. Put some fucking clothes on. Non, ça a pas l'air. Il me suit, cet enfoiré. Putain, j'allais me soigner. Bon, ok, je vais les canarder. Mais ça, c'est pareil, je pense que c'est le genre de phase qui doit être un peu plus simple en multijoueur. Hein. Enfin, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. D'accord, parler de 200, ça marchera pas.
Merci pour les beats, Kenta. Comment ça va depuis le temps? Bah écoute, moi ça va bien, à part que je joue à un jeu qui me plaît pas des masses, mais sinon ça va. Et j'ai très très chaud. C'est toujours le même problème, c'est ma pièce qui chauffe de trop. Nouvel objet à lancer. Et comme j'ai pas de clim, bah... En fait, Kenta, si tu veux, moi je m'étais pas renseigné sur le jeu à la base. Et... Je m'attendais à une expérience similaire au premier, et du coup je suis extrêmement déçu à ce niveau-là. Parce que moi je voulais un open world, tu vois, pas... Enfin, comme le premier, entre guillemets, tu vois. C'est la première zone. Là, c'est trop fermé, et rien que ça, ça m'énerve. Le fait que l'histoire soit sur un ton beaucoup plus débilos que le premier, ça m'énerve aussi, tu vois. C'est tout ce genre de détails qui me plaisent pas. Et d'ailleurs, j'aime aucun personnage. Ça aide pas non plus. Et parlons pas de la fin, hein. C'était ridicule. Mais du coup, tu vois mes raisons pour lesquelles j'aime pas trop. C'est parce que c'est trop différent du premier, en fait. Moi, je voulais vraiment une expérience similaire au premier. Et bah, on n'y est pas, quoi. Oui, je suis dans le DLC 2, là. J'ai fini, ouais. Bah, Kenta, en fait, il vient de sortir sur Steam. Et donc, ils ont foutu à moins 50%. Donc, j'ai pris la totalité en même temps, tu vois. Parce que moi, j'achète pas mes jeux ailleurs, donc c'est Steam ou rien, quoi. Mais à ce moment-là, je pouvais pas savoir que ça allait être mauvais. Pas mauvais pour moi, tu vois, c'est... voilà. Je lisais même les documents, en fait, jusqu'à la fin du jeu, et là, j'y ai plus, tellement ça m'a... Ça m'a déçu, tu vois. Ouais, voilà, c'est pour ça. Nous, sur Steam, en fait, il est sorti là, il est littéralement sorti cette semaine, non. La semaine dernière, puisqu'on est on est lundi maintenant. Il est sorti la semaine dernière sur Steam, en fait. Le jeu entier, hein, il est sorti la semaine dernière sur Steam. Et donc, pour fêter la sortie sur Steam, en fait, ils ont fait à moins 50%. Parce qu'à la base, il était sur Epic, comme dit Romu Ménage. Et moi, je n'achète pas sur Epic Game Store. Et donc, pour la sortie sur Steam, en fait, ils ont fait à moins 50% sur la totalité. Donc, bon, bah, j'ai pris le pack qui était forcément largement moins cher, tu vois. PEGI 18. Ouais, fabriquer les balles, hein. Mais moi, oui, je suis pas fan du jeu de base, hein, vraiment pas. C'est trop différent du premier. Je m'attendais vraiment à un open world mi-sérieux, mi-drôle. Mais pas 100% drôle et monde fermé, tu vois. D'ailleurs, j'ai mis mon arme à level. Ouais. Bah écoute, si tu prends une tour, n'hésite pas à la faire monter toi-même ou par quelqu'un, ça t'emmènera peut-être un peu moins cher. Parce que généralement, les tours préfaites dans le commerce sont plus chères et des fois, c'est de la merde. Donc n'hésite pas à regarder tout ce que tu peux voir et si tu peux gagner quelques euros dessus, c'est toujours ça de prix. Ouf, the main stage.
Non, je suis pas fan. €1000 pour une tour à monter, Kenta, je vais être franc avec toi, c'est un PC entrée de gamme ça. Hein. Pas plus. Même pas milieu de gamme, c'est littéralement entrée de gamme. Mais après, oui, c'est peut-être pour ça que t'as apprécié le 2, parce que t'as jamais joué au premier, c'est ça le truc. Moi, toutes les personnes avec qui j'ai discuté actuellement là, qui ont fait le 2 et qui ont également fait le 1, le constat est le même à chaque fois, ils détestent le 2 parce que c'est trop différent. Encore une fois, imagine le 1, c'est un open world, en tout cas la première zone, c'est complètement ouvert. C'est immense et c'est complètement ouvert. T'as des trucs cachés à gauche, à droite. C'est un ton beaucoup plus sérieux en termes d'histoire, même s'il y a des délires, mais c'est beaucoup plus sérieux. T'as des véhicules, t'as des combats contre les humains, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Et le monde ouvert, honnêtement, il était sympa. En tout cas, la première zone. En fait, c'est simple. Kenta, la première zone du premier est plus grande que la totalité des zones du 2, tous combinés ensemble, puisque c'était une zone ouverte. Juste à partir de là, ça craint, quoi. Moi, je m'attendais à ça, mais bah non. Mais ouais, je suis d'accord avec Patchout, le 1 foudra le 2 pour moi. Et encore une fois, ça dépend ce que tu recherches. Ouais, ouais, dans ce sens-là, ouais. Après, le 2 fait des choses mieux que le 1, ça c'est sûr. Il peut être beaucoup plus fun à jouer, pas typiquement. Mais... En fait, moi, comment dire... Le côté fun, je le compare au fait que là, les monstres, les ennemis, en fait, ils ont un point de spawn précis. Donc, c'est fun au départ. Mais comme à chaque fois, ils respawnent au même endroit, bah, ça devient redondant assez vite. Tu vois. Je crois qu'il y avait déjà ce problème dans le 1, mais... Bon. En tout cas, pour moi, c'est une régression vis-à-vis du premier. À part sur certains points. Mais les points en question, malheureusement, pour moi, c'est ça pose des problèmes. Mais effectivement, après, il y en a comme toi qui vont adorer le parti pris du jeu quasi couloir. Côté délire à 100%, tu vois, c'est normal, c'est juste un public différent. Je ne suis malheureusement pas le public visé. Bah, sur le premier non plus, Kenta, t'avais pas besoin de bouger loin. Mais en fait, t'avais tellement de choses à faire dans l'open world que ça montait tout seul, quoi. Voilà. Tu flippes sur ce jeu? Ah non, moi je flippe pas du tout sur ce jeu. Hein. Moi ça me fait sourire tellement c'est absurde. Le premier était flippant. Si tu veux un exemple, cherche dans les vidéos du premier la zone de quarantaine de la deuxième zone. Zone de quarantaine, ville. Voilà. Ville, zone de quarantaine. Ça c'était flippant. Health and safety. Very rock and roll, guys. Oh merde. Pre-show checklist. I can handle that. Dope. Et puis ça aussi d'ailleurs, il y a un truc où je trouve c'est une régression. Tu vois le système de cartes à mettre sur le personnage, c'est très bien. Mais dans le premier en fait, t'avais un arbre de compétences unique à chaque personnage. Je dis bien un arbre de compétences. Le premier Kenta, le premier zone de quarantaine dans une ville. Ça c'était flippant. Il y avait une ambiance glauque, tout, enfin c'était... Et encore une fois, c'était ouvert, hein. Monde ouvert. Et qu'est-ce qu'il veut me dire par tester les écrans géants? Et encore une fois, c'était une ambiance différente. Le jeu était peut-être un peu moins dynamique, ça c'est vrai, mais en même temps, il faut resituer le contexte de l'époque. Hein. Le premier, il est assez vieux. Et encore une fois, c'était ce monde ouvert, quoi, et ce côté plus sérieux. Moi, j'ai adoré ça.
D'ailleurs, on est où sur la carte? Dans Game Sound, c'est la devise du Duke Nukem, monsieur. Madame, pardon. D'ailleurs, ça aussi, Kenta, tu vois la spéciale ici. Chaque personnage dans le premier, en plus d'avoir son arbre de compétences, avait sa spéciale à lui. Que tu pouvais en plus de ça améliorer. Mais améliorer via des trucs spécifiques. Après, Kenta, attention, le premier, il est vieux, ça faut se rappeler, c'est pas exactement pareil. Et si tu aimes bien les expériences très carrées, très ligne droite, tu vas le détester parce que c'est complètement ouvert et des fois t'es largué, t'es complètement dans la nature. Donc il se peut que tu n'aimes pas, je te préviens tout de suite, hein. C'est moins dynamique, mais c'est ouvert. C'est ça, il faut bien comprendre, c'est un autre style, voilà. Et jouer avec des potes, c'est mieux, effectivement, mais c'est un autre style. Ouais, donc tu sais que c'est quand même différent. Allez, venez, putain. Ah oui, non mais le premier fait flipper, hein. La deuxième zone du 2 en fait c'est la plus flippante et de très loin. La première pas trop parce que c'est une station balnéaire donc ça va tu vois. Mais c'est immense par contre. Et tu peux rapidement te faire piéger comme une merde. Bon, en tout cas je le dis, je préférais le 1 et je m'attendais à une expérience similaire au 1. D'où le fait que je sois déçu d'ailleurs comme plein de gens qui s'attendaient à la même chose. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce changement en fait en termes de style, j'ai pas compris. C'est comme si tu jouais à l'époque Horizon Evil 1, 2, 3 de la PS1 et d'un seul coup tu passes Horizon Evil 4 qui a un style complètement différent. C'est le même principe. Kenta, je pense que non. Je vais être franc, je pense que non. Non, la fin c'était de la merde. La fin c'était de la merde, ça m'a tellement déçu hier. Mais non, ils feront jamais un 3. Ils sont morts. Sans vouloir être méchant, ils sont morts. Même s'il s'est vendu, les critiques du jeu sont trop mauvaises. Et en fait, justement, ils se sont fait avoir. Ils se sont fait avoir parce que trop de gens attendaient une expérience similaire au 1, d'où les critiques. Ils se sont fait défoncer à cause de ça. Sérieux là? Sérieux là, il m'a bloqué le chemin cet enculé.
Ouais, c'est ça. Le 2 à la base, c'était un. C'était un. Merde, comment on appelle ça? C'est un mot spécifique, les Arlésiennes, voilà. C'était une Arlésienne déjà à la base. Comme Duke Nukem à l'époque, qui est sorti 10-15 ans après. Et Final Fantasy XV aussi, techniquement. Qui était le 13 à la base. Enfin, 13 versus pour ceux qui se souviennent. Et puis il y a un autre truc qui m'énerve aussi qui est dans ce jeu là, c'est le script. Des fois t'as des portes qui sont fermées mais tu peux pas interagir avec. Et tu peux seulement le faire après avoir déclenché un script à la con, nanana. C'est pas naturel, tu vois. C'est pas naturel. Dans le premier tu as pas ça non plus. Ou alors c'est justifié du genre un bunker. Non mais là les codes, fais-le correct, enfin, de manière cohérente, tu vois. Pas de manière tellement dégueulasse que ça en devient ridicule, tu vois. Dans le premier, c'était ça, c'était bien fait. Dying Light, je l'ai pas de shoot, mais je vais pas le faire direct. D'abord, je finis mon jeu avant. Là, Dead Island 2, c'était vraiment une exception. Hein. Parce que justement, je m'attendais à autre chose. Enfin. Je sais que je râle beaucoup, mais bon, je dis encore une fois. Some kind of blood fountain? C'est. Cette phase, c'est de la merde, on m'excuserait. Hein. Ouais, je pense que j'avais kiffé. Mon frère l'avait fait d'ailleurs, le premier, il l'avait adoré. Et il a détesté le deuxième. Un peu comme Dead Island en fait, pour les mêmes raisons, je crois. Bon, comment je passe? Ça doit être le club. Ouais. Merde, je l'avais même pas vu lui. Généralement à toi, merci. Après, faut voir si l'image de 23 Go c'est pas juste à cause d'Unreal Engine, parce que je sais pas sur quel moteur ils l'ont fait. Bah, Kenta, oui, peut-être. Encore une fois, le jeu il s'est bien vendu, je crois, donc ça pourrait arriver. La seule chose, c'est les critiques qui elles sont pas bonnes. Les critiques des utilisateurs, je parle. Hein. pas de la presse. Qui là, c'est vraiment pas bon. De toute façon, encore une fois, tout le monde s'attendait au premier.
Non, le premier, c'est un GTA 6. Le premier. Pas le 2. Je vais mourir. J'ai un chat dans la gorge. Île d'éclipse, ouais. Encore cette conne. Oh là là. Fuck. It was you? I haven't forgotten you dumping me into a. Si si, il y a toujours une solution pour me sauver, pas de shoot. Toujours. And I have nothing to fear from you. We're on the same path, trying to understand what we are. I know what I am. Then why are you here? You told me to find you here. Don't think so. No preuve, Grafton, okay. Je le ferai mercredi, comme d'hab. They gave me recordings of the beat. Did we? Look, I don't know what this beat is, but it's sending people zombie mode. We gotta show. En espérant que le fantôme il attaque assez vite, mais je parie que c'est pas le cas. So how do we stop it? We don't. I only had one part, but with yours I can piece it back together and complete. Mais là honnêtement, j'ai perdu une semaine entière sur le développement de mon jeu à jouer à ça. Hein. J'ai perdu trop de temps. To us. It's part of what we are becoming. Oui, c'est ça, Kenta, c'est ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai écrit sur le. C'est un miroir. C'est un miroir. Ah oui, oui, ok, oui, ok, j'ai compris. Et je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Mais c'est ça, Kenta. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai écrit sur ma review sur Steam. J'ai écrit un mini-test, c'est ce que j'ai mis. À toute fin. Je recommande pas le jeu, mais. Si t'as pas fait le 1. Enfin, tu vois quoi. Très bien. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous dis à la prochaine pour voir ce qu'il arrive à Grace. À la prochaine.